Yo tout le monde, c'est Tifosi ou Tifo pour faire plus court. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 ODSR 50. Donc effectivement, je ne suis même pas sûr que je vous ai déjà proposé un gameplay ODSR 50 sur ma chaîne. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire un. Enfin, j'ai pas pris le DSR 50 pour essayer de faire un gameplay. J'ai pris le DSR 50 pour essayer la technique du Reload Cancel. Donc je ne sais pas le nom en français. Reload Cancel, bon, vous en doutez bien, c'est en anglais. Mais en français, bon, ça doit avoir un nom très bizarre, donc du coup, je préfère le dire en anglais. Donc en fait, cette technique consiste à recharger et sprinter juste après pour essayer d'économiser le maximum de temps, pour essayer de caler une petite feed assez sympathique. Parce qu'en fait, bon, depuis le patch, j'ai pas trop retouché au DSR. Et c'est sûr que bon, si vous faites ça, si vous croyez que vous pouvez aussi bien jouer qu'avant, et que vous faites pas cette technique là et que vous y allez avec le verrou et tout ça, vous allez un peu galérer. Donc bon, si vous jouez en guerre terrestre, bon, vous aurez des chances de taper des collates, etc. Mais sinon, si vous jouez en 6 contre 6, bon, ça va être un peu chaud pour vous. Donc moi, j'ai décidé de faire cette technique vu que j'étais en MME et donc on était en 6 contre 6. Et bah, je dois avouer que ça a assez bien marché. Bon, le score final n'est pas exceptionnel non plus. Mais je me suis dit, bon, voilà. Les gameplays, je les sélectionne pas tout le temps pour les scores à la fin de la partie. C'est aussi parce que des fois, il y a des petites actions, etc. qui m'ont bien plu. Et bah, ce gameplay, bah, j'ai trouvé qu'il était assez sympathique. C'est surtout aussi que jouer au DSR avec cette technique, c'est pas très facile. Surtout que je ne joue pas en clos. Donc, du coup, ça complique encore plus les choses. Ça m'oblige à avoir une rapidité une grande rapidité. Je dois déplacer mes doigts super rapidement, donc du coup c'est vraiment très très chaud. Enfin bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Donc on va pas tellement s'attarder sur le gameplay, on va plutôt parler d'un sujet très précis qui me tient beaucoup à cœur. C'est Lonely Wolf. Alors Lonely Wolf commence à se préciser. Donc du coup le montage pourrait peut-être sortir avant le pack. Ouh, la petite triple feed bien sympathique, j'aurais kiffé faire la quad feed. Donc il pourrait sortir avant le pack, donc le tout dernier pack de BO2 là, je sais plus comment il s'appelle. Donc le pack qui sort le 27 août sur Xbox, je parle, bon je ne suis pas sur PS3. Donc oui, il pourrait sortir avant le pack. Et j'espère vraiment que vous aimerez beaucoup ce montage, parce que moi voilà, ça me tient vraiment à cœur, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, j'insiste parce que c'est vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur quoi. C'est, je sais pas, quand je le mettrai sur YouTube, j'espère qu'il y aura vraiment de très très bons retours. J'espère être upload sur peut-être plusieurs chaînes communautaires, qui sait, ça me ferait plaisir. Enfin voilà, je cherche pas à avoir le maximum de vues, le maximum de commentaires. Mais c'est juste que voilà, j'essaye de faire tourner la vidéo au maximum. Parce que voilà, c'est mon premier vrai montage. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai déjà sorti des... Alors, à l'époque, on appelait ça des frag movies, hein. Voilà, le nom, c'est pas top. Mais voilà, j'ai déjà sorti des espèces de frag movies. Alors bon, c'était même pas moi qui faisais tous les clips, parce qu'en fait sur BO1 il y avait un truc, en gros comme sur BO2, on pouvait aller en studio et choisir des clips des mecs comme ça en ligne qu'on trouvait. Et donc du coup je sais pas, dès que je voyais un clip qui était bien, je le sélectionnais. Enfin bon, bref, ça faisait un peu pitié, mais bon, j'étais comme ça à l'époque. Et j'avais sorti un espèce de mini-tage aussi sur MLE2, MLE3, mais bon, c'était pas un vrai montage, parce que l'éditeur avait fait vraiment vite fait. Et il y avait même pas 10 clips dans le montage, donc du coup, c'était pas exceptionnel. Donc c'est pour ça que là, ça va être mon premier vrai montage. Et moi et l'éditeur, on espère vraiment que ça va vous plaire, parce que nous, honnêtement, pour l'instant, on est assez content de ce qu'on a fait. Et donc voilà, bon... sur ce gameplay, il va bientôt s'achever, ouais, bientôt 75 points. Donc du coup, j'espère que le gameplay vous aura plu, j'espère que j'aurai été assez fluide, enfin la voix aura été assez fluide, j'aurai pas trop bugué ni rien. Donc du coup, on se retrouve la prochaine, et je pense que la prochaine fois ça sera la bonne, ça sera Lonely Wolf, normalement si tout se passe bien. Donc... je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao !